Bon bah salut à tous. Et salut. Bon bah écoutez, aujourd'hui c'est le grand jour pour Kevin parce que bah, comme vous le savez, on va faire la remise du vélo, la découverte. Le grand jour. Donc là, bah, on est sur la route. Bon, je suis en train de vous parler pendant que je conduis, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. C'est un pilote. Faudra pas le dire. Hein. Et puis bah, on va espérer que bah, déjà d'un qui sera à l'heure, mais ça là-dessus je crois que j'ai pas trop de doutes. Et en plus de ça, on espère bah, que bah, le vélo va lui plaire quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bah écoutez, on est bientôt arrivé au parking. Bah allez, suivez-nous, on est arrivé, on va lui livrer. Let's go. Bon bah on attend Kevin. Il devrait pas tarder, j'espère. Là, vous voyez, le vélo il est bah, il est sous son drap, ouais. Au cas où il puisse le voir de loin, mais bon, on l'a caché. Bon les gars, ça y est, on a retrouvé Kevin. Salut Kevin. Salut. En forme? Oui. Ouais, pas trop pressé? Si, j'ai le cœur qui bat à 2000. À 2000? Ah, oh, ça va alors. Ça va? Ouais. Bon, donc du coup, première sensation, le cœur qui va vite. Trop hâte. Trop hâte? Donc ouais, tu vois, voilà, c'est ce que, comme dit Phil, bon, t'as ramené un joli drap, quoi. Bien mauve. Impeccable. Tu vois, un truc discret, quoi, un truc qu'on voit bien, quoi. Ouais, qu'on voit bien de loin. On voit bien de loin. Mes jantes, donc je sais qu'en partie, hein, c'est encore le mien. Ouais, ouais, je crois que c'est encore le tien. Enfin, tu me diras si tu le reconnais réellement, mais normalement, c'est toujours le tien. Quoi. Je pense pas. Bon, on va regarder ça, alors. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Bon, donc on avait dit Hello Kitty ou licorne. Ouais. Ou Barbie, c'était ça à peu près le thème. C'est pour C'est pour dire un petit peu aux gens qu'est-ce que sur quoi on était parti quoi. Voilà. Allez, je découvre le vélo. C'est parti. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Enfin, j'en reviens pas. J'ai pas les mots. T'as pas les mots? Non, j'ai pas les mots. C'est con. je sais pas bon. Quoi dire. Tant que le mot c'est pas oh merde, qu'est-ce que c'est que cette horreur, ça va. Non, c'est pas ce que c'est toi. Je vais juste couper ma GoPro parce que je vais reprendre mes esprits et après je vous reprendrai plus tard. Ding. Ding. Fantastique. Je trouve pas les mots. Ding. Ding, ding, ding. Il est trop beau. Ouais. Bon. Bah. L'objectif c'était d'un, qu'il soit joli, deux, qu'il te plaise. Imaginer plein de choses dans ma tête, ouais. Mais sans avoir le réel de à quoi ça pourrait ressembler. Je me dis que ça va être dur psychologiquement de rouler avec. Parce que cette fois-ci, à chaque sortie, ouais, on finit par terre, donc c'est un peu chaud. Bon bah finalement, il va peut-être revenir avec moi ce vélo. Non. C'est bien. Le travail qui est fait, c'est bien. Est-ce que tu remarques tout ce détail des chiffres dans le cadran? Ah, y a ma date de naissance, ah. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Les effets qu'il y a dessous, on se rend pas compte et je pense que même en vidéo on s'en rendra pas compte. Non. Ah, on va essayer de faire des belles images quand même pour tous les gens qui nous regardent. Un peu usé, fatigué. Mais rassure-toi, c'est bien ton cadre. Le cache dessous peint. Ah ouais. On a dit j'en remettrai pas. Promis, je remets pas de sticker. Ouais, juste le slicey. Je vais y faire d'autres trucs pour que ça soit encore plus unique, je pense. Là déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai... Parce qu'il faut savoir que ton design, en fait, il est déposé. C'est-à-dire que plus personne au monde n'a le droit de faire le même design. C'est fini. Il est unique au monde et il va le rester encore un bon paquet d'années. Ça touche encore plus parce que du coup on se dit personne ne l'aura. Et... Ah ça je l'avais bien dit, hein. Ce sera vraiment un design unique au monde et ce sera jamais reproduit. C'est unique et puis voilà, visuellement, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça, c'est encore plus de plaisir personnel que quand tu fais toi ton truc, c'est vraiment la surprise, le cadeau, le truc auquel t'as beau t'imaginer plein de choses. Ouais. Tu peux jamais vraiment réellement t'imaginer le truc fini. Quoi. Je voulais pas conserver la marque du vélo à la base. Ah ouais. Isa même a dit qu'il avait un truc en tête qui était classe. Et je suis content d'avoir pu lui avoir fait confiance. J'ai pu lui faire confiance, je savais que je pouvais lui faire confiance. Mais je m'attendais pas au rendu même du M de moustache. Enfin, l'écriture moustache sur le cadre, elle est vraiment une plaque à poser rivetée. Enfin, c'est juste dingue.
toutes les petites ombres sur chaque privé, j'imagine même pas le temps de travail que ça a dû représenter. Ça, c'est du travail. On va pas, je vais pas dire le contraire, c'est du boulot. C'est vrai que visuellement, c'est un truc qui claque, mais je pense que tant qu'on le voit pas en vrai et qu'on peut pas se rendre compte du travail qui est fait dessus, en fait. Je pense qu'il est bien pensé. je le vois, là je suis encore sous choc, mais je vois des trucs du style d'amortisseur intégré dans le bras arrière. Les effets d'ombre, c'est juste fou. Ça donne une envie d'en avoir plus encore. j'ai quelques projets aussi en tête pour le vélo, donc je pense qu'il va s'épurer encore un peu plus. Bon bah voilà, là on a Kevin qui essaye de se barrer avec le vélo. Bon allez, un petit test. Tu nous fais un petit bunny up là, comme ça, vite fait. Non, je me casse et je te le laisse pas pour Lyon. Ah non, reviens!